Zombie apocalypse. Hop. Voilà, monsieur, je suis un beau gosse. Le deuxième beau gosse de la ville derrière moi, quoi. Ah non, c'est moi plus beau gosse quand même. Non, c'est moi, j'ai pas les joues bouffies, moi. Ah oui, c'est vrai. Ah, t'as été passé par le conseil, c'est un véhicule offert pour les nouveaux arrivants. Non, vraiment? Moi, j'ai eu la cuisine dégueulasse, là, qui n'avance pas. Ouais, j'ai eu le truc, là, de l'aéroport jusqu'à ici, j'ai mis les trois quarts d'heure, au moins. Ouais, monsieur, faut se dépêcher, là, il pleut, sur mon tête. Oui, vous avez un beau véhicule, hein. Ah, désolé. Ah ouais, mais j'avais pas prévu ça dans le sens là quand même. Ben moi non plus, je sais pas comment on fait pour venir à sa place. Mais non, ça pas comme ça. Bon, je vais descendre du véhicule. Vas-y, monte, chef. Et voilà. Et tu peux me... comment on fait pour avoir sa téléphone? C'est... Ah, je n'ai pas de téléphone, il faut que j'aille. Téléphone à la supérette, attends, dis-moi, man. Comment vous allez, les gars? Attends, on va dire au conseil, on va chercher ta voiture. D'accord, monsieur, n'a pas de problème. Je dois pas passer le permis de conduire? Ah si, c'est lui aussi. Moi, je l'ai passé, mais j'ai acheté la voiture avant. Tu vois le truc logique? Ah oui, bah oui, c'est normal. Hein. Non, pas ça. Voilà. Merci. J'ai monsieur Dupont à aller chercher à l'aéroport, je crois bien. Là, maintenant, de suite, là? De quoi, même? Maintenant, tout de suite? Ouais, il arrive aussi. Il est arrivé en ville? Ah, d'accord. Bah, je vais chercher ma voiture, je vous rejoins à l'aéroport. Attendez-moi là-bas. Ok, ça marche, je rejoins à l'aéroport. Ma guise là en me disant qu'il y avait une voiture gratuite. Ah si, voiture de bienvenue. Oh non. Oh, ils ont écrit non comme ça, quoi. Moi je vais changer la couleur. Non, je peux pas changer la couleur. Bon. Et j'ai un véhicule de la mort qui tue, hein. Hop hop. On va aller à l'aéroport de ce fait. Alors, direction Roissy Charles de Gaulle. Ah ouais, ça c'est du beau cerveau. Hop là. Là on est sur un serveur qui est genre... c'est un peu genre la France. C'est les gendarmes, les pompiers, c'est pas les EMS ou la LSPD, c'est les gendarmes. Là c'est Total, la station service, ouais, vraiment c'est excellent. C'est hyper beau. Ouf. Par contre la voiture elle... Aïe. Ça fait chier, je vais devoir réparer. Je vais le suivre. Oui, les voitures. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il fait lui? Nous sommes le gang des Mercedes, comme dans Taxi. Ah, mais monsieur, vous tournez, vous ne tournez pas.
que faites-vous? Heureusement que j'ai un 4x4. Hein. Plus. Il a abîmé son voiture. Ce n'est pas le pilote comme Désiré Makengo. Oh là là. Il freine vite, fort, comme du n'importe quoi. Allez, son moteur, il fait la chicha. Ah, faire un deuxième constat, moi je te dis. Pourquoi il veut faire un deuxième constat? Monsieur, vous n'êtes pas garé bien là? Non, pas, il m'a mis ma bagnole en panne. Vous n'êtes pas bien garé là, monsieur? Ah, j'appelle Midan, maintenant. Arrête de casser mon voiture, toi. Tu as cassé la voiture à mon copain. Mais j'ai pas touché la voiture, hein, monsieur, vraiment. Menteur. Non, vraiment, je vous jure, monsieur. Menteuse. Mais non, vraiment, en plus. Vraiment. Je n'ai pas touché, moi. A few moments later. C'est bon, vous pouvez me donner votre numéro, monsieur Désiré. Alors, 06 53 14 72 18. J'ai envoyé un message. Oui, monsieur, j'ai reçu. Je vais regarder. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est Xavier Dupont. Je vais l'appeler Dupont. Dupont. Enregistre. Yes. Dites-moi, monsieur Désiré, est-ce qu'il faut que je vous fasse une facture pour mes lunettes que vous avez fait tomber par terre et que vous avez cassé? Pas du tout, monsieur. Parce que là, je fais comment? Je vois rien, moi. Je suis un ivoirien. Mais moi, je suis congolais. Sans mes lunettes. Est-ce que je vous demande une facture? Hein? Moi je suis congolais, est-ce que je vous demande une facture? Pas du tout. Vous n'êtes pas obligé. Je ne sais pas qui a créé le parking, mais il est vraiment bête, hein. Il a mis un arbre juste devant la place. Oh non, il va y avoir une tornade. À force de faire le code de la route, en vrai, on les connaît par cœur les questions. Pif.
C'est chiant, ils mettent des voitures beaucoup trop rapides. Là, je dois respecter 50 km/h. Merde, je me suis arrêté avant. J'ai mis ma plein phare, hein, c'est important. Non, vraiment, c'est quoi ça, tourage? Faut que je me dépêche de passer mon permis de conduire. Oh là 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 là, j'ai peur, il y a l'orage. Aïe. Ah non, j'ai fait l'erreur. Oh, il va me niquer mon gueule. Je me bats. C'est du n'importe quoi, non vraiment. Mais je ne vais jamais avoir assez d'essence, hein, je pense. Cent trente kilomètres, j'ai pas dit, allez go, ouais. Non vraiment, aïe 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 aïe, oh j'ai fait de la, oh là 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 là, j'ai cassé la voiture. Ah mes oreilles, ça fait mal. Non vraiment, j'ai fait, ah, oulolo. Je vais pas bien dans mon tête, c'est tout floute. Oh là 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 là. Oh là là. Bon, ça va mieux. Ça en est allé mieux. Ça va trop vite, ça, ces voitures. C'est pas normal. Hein. Ah merde. Je vais recommencer, hein, ça ne sert à rien. Je vais retourner à l'auto-école. Hein. J'ai reperdu l'auto-école, où est-ce que tu le trouves? Je ne la trouve jamais. Je suis navré, j'ai loupé ma permis de conduire. Non, vraiment, ce n'est pas facile. Je vais aller la repasser, mais c'est coûte cher, hein. Vraiment, je vais pas avoir assez d'argent, hein. Je vais devoir passer la permis moto, je pense. Oui, je sais, j'ai fait 9 erreurs sur 5. Oui, je sais. Je sais ça, monsieur. En même temps, quelle idée de mettre une Maserati comme ça dans mes mains. Moi, je suis obligé de rouler à ma grande vitesse. Je suis obligé. Ah, c'était là. Bon, on n'a pas vu que j'ai fait le demi-tour sur la autoroute, hein. Oui, monsieur, je sais. Moi aussi, j'ai le klaxon. Hop, voilà, ça partit. En avant Guingamp, comme on dit. Non, vraiment. Bonjour, nous demandons à tous les citoyens de prendre d'abord les obligations d'appeler, de se rendre au Midas pour se mettre en sécurité tout le jour. J'avais aller à Midas alors, ça va. Peut-être on va avoir beaucoup du monde, hein, là-bas, j'espère. Je vais demander s'il y a quelqu'un qui travaille pas chez Boulanger ou chez SFR parce que j'ai un problème de téléphone. Je vais demander.
Bonsoir, monsieur Midas. Monsieur Midas. Bonjour monsieur. Vous devez pas rester ici, on doit rester sur l'entreprise, monsieur, s'il vous plaît. Bah si, il doit rester ici, mais. Bah oui, on m'a dit d'aller à l'intérieur, chez monsieur, mais. A few moments later. C'est la merde ici, vraiment. Je sais pas ce qui se passe. Ah là 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 là, il n'y a plus d'électricité dans la ville. J'ai encore une fois eu peur. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se follow, j'ai peur. Merci beaucoup pour ton follow. C'est gentil. J'ai pas vu que c'était du coup. Tac. Merci Sicilios. Merci à toi. Bienvenue. Il faut vraiment que je baisse le son de cette alerte parce que à chaque fois j'ai peur de ouf. Bonsoir monsieur. Bonjour, rentrez s'il vous plaît. Oui, je... c'est où l'entrée monsieur? Là-bas. Bonsoir monsieur. Ok, une autre personne vient de rentrer dans le Bahamas. Allez-y, c'est au fond. Oh là là, il y a la fumée là, c'est la chicha ici. Bonsoir. Ah, tu es là, je t'avais perdu, monsieur. Ah ouais, c'est la galère, man. Oui. On récupère le bracelet avant. Ah oui, on trouvera le corps plus facilement. Ouais, ce serait cool pour le bracelet. Ah oui, c'est vrai, on trouvera le corps. Je vais tomber dans le coma vu que je suis en double de Ricard. Et est-ce que quelqu'un de vous travaille chez SFR par hasard? J'ai un problème avec ma téléphone. Ah, ça, c'est pas mon problème, ça. T'as qu'à pas aller chez SFR. Le problème avec la télé, bah, c'est l'orage qu'il y a dehors. Non, c'est ma téléphone. Y a plus d'électrique, y a plus de réseau, man. Ouais, je sais, mais monsieur, quand je parle dans ma téléphone, personne ne m'entend. Et je crois qu'il y a des miettes coincées dans ma micro de téléphone. T'es sûr? Vas-y, ouais, Désiré, viens voir, man. Oh non. Ouais, dis-moi, chef. Ah. Ça, on arrive à peine en ville. Y a déjà le ciel qui nous tombe sur la gueule. Non, c'est du n'importe quoi. Je crois qu'en Europe, il n'y aurait pas de tournable, moi. Ben, moi aussi, je pensais, mais bon.
Et puis, je peux te dire, la police, elle a pas l'air très commode. Hein. Ça ne rigole pas beaucoup dans cette ville. Mais c'est pas grave, ça, au fur et à mesure. Après, on peut toujours les mater. Je suis en manque de regard. C'est bon. La Costa, ferme ta bouche, c'est bon. Déjà, quand vous connaissez mon nom. Bah, parce que peut-être que t'es déjà dans les fichiers, que tu t'es c'est déjà pas comme ça qu'on va gagner du pognon maintenant. Ah oui, et donc c'est à dire que j'ai le même. Ouais, d'accord. Bah, la tête. Ouais. Bah, oui, la tête. Monsieur le policier, vous me connaissez, moi. Vous ? Tu cherches la merde là, chef. Ça me dit rien. Ah, donc c'est dire que je suis pas fiché S. Oh, la police a souri. Ah là là, il y a des tonnerres, man. Tonnerre de Dieu. Oscar, faudrait envoyer les deux autres parce qu'ils sont restés là. Hein. Ouais, vas-y Oscar, c'est le nom de mon chien. c'est quand qu'on va bosser nous là dans l'histoire? Bah oui, je ne sais pas, monsieur. On n'est pas bien au chômage là. Ouais, mais moi, il y en a un, je vais pas dire qui, il m'a niqué ma bagnole, j'en ai pour 2500 balles, quoi. Mais si je le trouve, je l'anéantis, lui, hein, celui qui a cassé votre voiture. Ah, moi, si je l'aurais devant moi, je crois que j'en pèterais une. Ah oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Je suis d'accord, hein. Ouais, on travaille là, alors, on s'en fout. Ça commence à devenir assez long, moi, je vais m'asseoir. Oh, Didier. J'ai envie d'un Ricard. Vas-y DJ, fais péter le son. Et peut-être que le tabatier il est ici. Le tabatier. Est-ce que vous avez eu des réponses du tabatier par SMS? Non. Non, j'ai même été sur place moi. Non monsieur. Ah zut alors. Est-ce que quelqu'un connaît le tabatier? Tabagiste. Le tabagiste connard. Et je ne vous permets pas de m'insulter monsieur, hein. Ce n'est pas le respect ça. Hein. Je connais pas le tabatier moi. Oui. Tabatière. Non, le tabatier. On dit un pêcheur, on dit un tabatier. Je dis comme je veux, hein, je vous. Hein, non, voilà. Respecte quand même le français. Monsieur, ça c'est le racisme, hein, tout ça parce que je suis noir. Baston. Ah non, bah non, du tout. Non, pas de baston. Hein. Moi je dis chacun est comme il est. Voilà, alors si je suis comme je suis, je me permets de dire tabatier et je dirai toujours tabatier. One eternity later. C'est la guerre. Écoutez, j'en ai aucune idée. C'est en train de fuir. C'est en train de fuir à l'intérieur. Bah, il faut sortir dans ce cas. Restez au fond. Bon, on va aller derrière le bar. S'il vous plaît, je vais pas le répéter. Il y a un Midas qui va se partir à pleine vitesse. Ah ouais, de ouf. Hein. C'est la guerre. C'est quoi? Je laisse contrôler, je vais aller voir les collègues. Oui. On a le corps trop dur, il a tombé sur nous et il est tombé. Il est en manque d'oxygène. Oui. Voilà. Oui, j'ai peur. Oui. Je vais mourir de peur. Oh là là, c'est pas le pire pour nos voitures là, maman. Ah, j'en ai pas de voiture, moi c'est pas grave. Pourtant, on est massacreurs dans la vie, mais là on se massacre. Et tu veux bien me donner ton numéro de téléphone là? Parce qu'au final, je n'ai pas ton numéro. Attends, on va là-bas, man. Attends, pour faire gaffe. D'accord. Ah putain, la vache. Ah putain, on trébuche surtout n'importe comment. Alors ma numéro c'est... Attends, je note. Tu me dis quand c'est bon. Il veut quoi Brad Pitt encore là? T'as un problème toi? Bah je sais pas, c'est toi, on vient dans un coin, tu viens, tu nous bouscules là. Oh, je t'en pose des questions. Mais pourquoi tu viens avec nous alors si tu me poses pas de questions? Est-ce que, mon numéro de téléphone, est-ce que j'ai l'air énervé là? Pas tout le monde non plus, ah, maman. Bah, je te dis. Sinon, on va dehors, moi, c'est comme tu veux, d'accord? Mais y'a pas de soucis, Brad Pitt, t'inquiète. Parce qu'on va dehors, man, tu vas encore pleurer, tu vas perdre des dents.
Monsieur Dédi. Oui, monsieur. Ça va? Bah, c'est long, hein. Je commence à perdre patience là. Ah, bah oui. Ah, là, vous demandez plus, hein. Mais moi, je dois travailler, moi, là. Hein. Bah, t'es pas un seul, maintenant. Là, c'est la DAS dans le portefeuille. Bah oui, moi, il me reste 457$. Je dois repasser ma permis parce que je l'ai loupé. Non, vraiment. Moi aussi. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font les nudistes? C'est pas une petite. Ouais, je dois prendre ma douche. Je crois qu'il a laissé son cerveau dans son caleçon. Hein. Ah. Ah, il y a l'électricité. Ah, c'est bon signe, l'électricité revient. On va tout être piéton, quoi, là, par contre. C'est la nouvelle France. Oh là 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 là. Ça faisait longtemps, quoi, ça. Eh, hey, t'encules pas les gens comme ça, t'as compris? T'as vu Désiré, il l'a fait pour toi. Bah ouais, bah il a cru quoi, lui, que c'était Noël ou quoi? Maintenant, il est toujours là. Hein. Oh, monsieur, vous voulez un bisou? Un pompier qui peut revenir à l'intérieur. Monsieur, vous voulez un bisou magique? Oui, oui. Encule. Encule. Il a un flingue, le mec, avec son. Avec son costard blanc. Ok, ça commence à revenir à la normale. Ouais. On va laisser. Et... Oh, ça part en cacahuète maintenant. Oh, wow, wow, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils c'est sont bon. Tous KO, ouais. Bravo la gendarmerie. Bravo. La tente, elle en a marre. Il y a là, un poil là, qui commence à frapper tout le monde. Le pire, c'est que c'est celui-là qui va se faire traiter alors qu'il sait pas lui. Point pompier, s'il vous plaît. Ah. Point pompier, parce que du coup, j'ai une personne qui a frappé un pompier. Il faut un gendarme qui, deux gendarmes qui me fassent sortir un par un les civils, s'il vous plaît. Chef. Vous oui, on peut vous suivre, monsieur. Ah ouais, on va gérer les sorties à l'extérieur, nous. Hein. Ok, n'a pas de problème. Vas-y, suis-moi. Et mange le sol, mange un le par sol, un par un. Monsieur, allez-y. Monsieur, vous aussi. Merci, monsieur. Monsieur l'agent. Monsieur, vous aussi. Monsieur l'agent, je peux vous parler, s'il vous plaît? Oui. Alors, en fait, vous voyez le monsieur en blanc, en costard blanc qui est tombé? Oui. Oh, vous restez là-bas, on vous a pas dit de bouger. Du coup, le monsieur en blanc là et avec son costard gris aussi là-bas, juste là-bas là qui est par terre, ils font beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes. Je trouve pas ça très normal. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup d'intimidation, hein, je trouve. Hein. Ouais. Vous pouvez envoyer le reste. Hein. Vous pouvez sortir. Okay. Et on fait comment? D'accord, on appelle nos véhicules maintenant, par contre. Ça, faut voir avec l'assurance. Vous bougez pas, vous, monsieur. Je sais, mais c'est notre roster, ça enfuit tout à l'heure et j'ai essayé, mais c'était impossible. Oui! Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est ma voiture, man. Ouais, c'est la merde. Ma voiture, elle est en. Eh, c'est Midas qui va avoir beaucoup d'argent, hein. Midas, il va se mettre bien. Bon, ça reprend. Ah ben je crois qu'il va falloir trouver un autre moyen de locomotion. Hein. Au pire, il y a la voiture là. Hein. Laquelle? Non, là, ça c'est la voiture de la EMS, on peut. Je veux pas te couper là. En plus, j'entends rien avec la sirène de pompier là, ça casse ma oreille. On va s'éloigner de là parce qu'on a l'impression d'un peu de l'électrique. Ah bah ouais, regarde, il est en train de bouger ta voiture là. Il se barre avec ta voiture. Ah ouais. Ah, les voleurs, même SKT, il me l'avait encore.
Je crois que c'est parce qu'elle est en train de prendre feu, il va la nettoyer. Récupérer là-bas. Oui, il y a un pompier au milieu de la route là, il est décédé. Il faut qu'on aille chercher quelque chose. Jojo, lui, il peut aller chercher sa voiture gratuite là. Ouais, bah nous, tu crois qu'on peut encore en avoir une gratuite là, bah, je crois pas. Ça se passe comment là, cette histoire là pour notre véhicule? Parce qu'ils disent tous, voyez avec l'assurance, mais il n'y a pas d'assurance en ville, j'ai pas fait gaffe en tout cas. Au pire, on peut toujours aller demander à un Afriquette là-bas, comment ça se passe là. Bah, je pense que il n'y a pas la voiture là. Attends, c'est on bon. Va aller lui demander à l'Africain. On va aller voir Jojo. Qui était en train de me pousser là-bas tout à l'heure, enfin, on l'a pas au loin là. Ah, ils sont fous. Mais ils sont tous venez. Mais oui, mais c'est pourquoi il pleut des pare-chocs là. Ah, des pare-chocs, je crois qu'on va ouvrir une 4 tours. C'est le bordel, hein. Comment c'est pas celui-là ta voiture? Aïe, aïe! Oh là 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 là! Oh pardon, excusez-moi, je vous avais pas vu. Oui, oui. Martin, monte avec nous, Martin. Dis-moi? Carlos, monte avec nous, s'il te plaît. Non, je pense qu'ils ont cramé le véhicule. On fait comment du coup là maintenant, nous, pour le remboursement du véhicule? Non, monsieur le pompier, on va juste chercher le véhicule juste pour récupérer tout le monde. Zéro? Ok, on va aller chercher des véhicules pour stocker des civils. J'attends Carlos. Ok, ouais, bah vous allez chercher des véhicules. Ça, t'as quoi récupérer la fourrière, vous avez de l'argent parce que... Ah non, moi je suis à découvert maintenant. Nous, on vient d'arriver en ville et c'est le bordel, hein. Moi aussi je veux de l'argent. Non. Et madame, je dis quoi moi pour la voiture de l'auto-école? Ah, t'es dans la merde, hein, tu vas devoir payer cher le permis. Hein. Voilà, je vous ai donné. Ah, d'accord, merci bien. Et moi, madame, je n'ai pas eu ma voiture. Qu'est-ce que t'as la cote, tu l'as pas maintenant? Ouais, mais quand même, ça c'est parce que j'ai des grosses joues. Hein. Tout ça parce que j'ai des grosses joues de hamster. Désolé, mais est-ce que ça, monsieur? Ah, merci quand même. C'est pas que j'ai dû retirer, mais il n'y a pas de banque ici. Ah. Et donc, si je vois l'auto-école, je vois pas la voiture. Nouvelle France! Oui, bonjour, monsieur Nouvelle France. Bonjour, monsieur. Vous avez des billets, monsieur? Oui, Giro, t'as pas 1000 euros pour le monsieur? Ah, lequel monsieur? C'est moi-même. Je sais pas, c'est des jumeaux. C'est ah, moi je suis non, on nous ne sommes pas jumeaux, non, hein, monsieur. Non, mais ne montez pas, les gars, c'est non, c'est moi, je n'ai pas eu beaucoup, hein, monsieur. Madame, pardon. Moi ah, je suis bah, preneur. Lève les mains. Pour mon permis. Non, pas toi, il me tord. Lui là, qui a les rasta. Voilà. Mais si, monsieur l'âge. Ouais. Ouais, qui lève les mains. Mais pas le blond. Pas toi. Pourquoi? Bah, je sais pas, ton véhicule à la cramée? Bah, oui, le véhicule de. Mais de si, monsieur l'agent. Mais de rien. Faut que j'aille rembourser l'auto-école moi maintenant.
C'est un mensonge. L'école, elle n'a pas besoin d'être remboursée, vous inquiétez pas, ils ont une petite assurance. Ah, du vraiment, coup, dommage, monsieur. Et je fais comment, ils me remboursent pour mon l'auto-école, ils me font passer le permis gratuitement? Non, il faut trouver un moyen d'aller à la fourrière. Ah oui. Je ne suis pas encore renseigné, moi je me suis jamais fait exploser mon véhicule. Monsieur l'agent, c'est un cas exceptionnel. Monsieur l'agent, bah, au pire, oui. Emmène-moi à la banque. Est-ce que ce serait possible d'avoir un véhicule qui nous dépose à la fourrière parce que nous n'avons plus de véhicule, quoi? Oui. J'ai pas de véhicule, moi. Nous n'avons pas de véhicule pour aller à la fourrière ni rien. Ben oui. Est-ce qu'un de vos collègues peut nous déposer à la fourrière ou pas? Tu vas faire, Jérôme. T'as une gonzesse qui te propose d'emmener à la banque, t'as pas de véhicule. C'est pour toi maintenant. Voilà. Ah, t'es trop nul. Il va venir le staff. D'accord, merci beaucoup. Hein. Merci. Vraiment, merci, madame. Vous êtes la meilleure de la police, vraiment. Hein. Vous devriez être capitaine chef. N'hésitez pas à venir boire un coup avec nous, madame. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, on fera ça. Ah, merci, vous êtes gentil. Vous mériterez d'être la chef de la police, madame. T'arrives sur... On n'est pas jumeaux, hein. Jumeaux. Mais non, ça se voit, moi je suis beau, lui il est pas beau là. Ça se voit, lui il est enrobé un peu comme Robin. Il y a le bus qui est là. Ah oh, oui, c'est le Wii bus, je allez, connais ça. Allez, allez en avant, Gengon. On va en vacances. Vous pouvez monter, messieurs, c'est la nouvelle France. Merci, monsieur l'agent. Bonjour. Je sais pas où est-ce qu'il nous emmène. Ah, il nous emmène. Maintenant, ça c'est mon problème. Oh, les pompiers, vous montez dans le bus. Bon, je mets la ceinture parce que je sais pas si tu prends du pire. Nos jolies colonies de vacances. C'est le bus de la France. Attention. Merci. Pour l'information, je n'ai pas permis de pleurer. Si vous crevez, c'est pas ma faute. Oui. Mes jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Moi c'est pas ça, moi c'est Nouvelle France. A few moments later. Ah putain, samedi vous avez passé d'argent. Ah, moi j'ai ma voiture. Oui, monsieur. Toi là-bas, arrête-toi, arrête-toi. Oui. Ouais, ne tire pas comme ça sur mon ami. Oh. Toi, je te prends ton téléphone, ta radio. Et tu viens avec moi. C'est la merde. On s'est fait kidnapper là. Je te mets une cagoule sur la tête. Là ça va vite, hein. Oui, ça va beaucoup trop vite pour moi. Ton collègue, c'est ton collègue qui était avec toi? Comment ça mon collègue? Je ne travaille pas, je suis chômeur. Il y avait quelqu'un avec toi? Ben juste on s'est déposé à la fourrière quand nos véhicules étaient là, mais sinon c'est tout, hein. Tu ne connais pas? Non, je n'ai pas son prénom ni son nom, hein. Ben parce que je viens d'arriver en ville, j'essaie de faire connaissance, c'est tout. J'essaie de faire connaissance. Ben oui. Je viens d'arriver en ville, je viens de le dire. Je ne connais personne, moi, ici. En plus, je me souviens plus de son prénom, vraiment. Dans le jeu. Intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ah bah, je sais pas, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes.
Comment? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Désolé pour... c'est pas voulu, on va dire. D'accord. D'accord, monsieur. Est-ce que vous pouvez m'enlever la cagoule, là? Je commence à avoir du mal à respirer. Non, pas tout de suite. D'accord, monsieur. C'est vous le chef, hein. Moi, je t'enlève la cagoule. Ah, merci, monsieur. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Non. Ah, je peux pas lever les mains. Non. Tu me donnes tout l'argent que t'as sur toi. Ah bah, monsieur, vous allez être déçu, je n'ai que 136$, monsieur. C'est pas grave, je prends quand même. D'accord. Mais quand même, vous pourriez laisser un peu d'argent à un jeune qui vient d'arriver en ville. Vous venez d'arriver en ville? Mais oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé ce soir en ville, j'ai pris le dernier avion. Mais dans la voiture, je vous ai dit, je viens d'arriver en ville, je faisais connaissance parce que je ne connais personne en ville. Ah, gardez votre argent, Pierre. Ah, merci, monsieur. En plus, 136€ quand même. Ce serait dommage. Mais oui. Oh, bah elle est toute cassée cette voiture. Ah bon? Je la vois pas comme ça. D'accord. Bon, je dois avoir des problèmes dans mes yeux. Grosse frappe. Dis-leur que je ne te connais pas, ils ne me croient pas. Ouais, non, on se connaît pas, c'est pas la peine de nous empiler. Hein. Bah oui, là, on se connaît pas, il n'y a pas besoin de nous enculer de la sorte. Hein. On est l'un dans mais l'autre. Mais il est où? T'as vu, tu fais de la merde. Mais oui, mais dans mon genre là, dans d'autres genres qui me ressemblent. Bon, toi là. Le deuxième. Vous pouvez donner un numéro là, clairement, là. Parce que je sais pas t'as qui c'est le deuxième. Pourquoi? C'est quoi le problème? J'ai pas tout suivi quoi. T'as quoi sur toi? Bah là, j'ai pas grand chose. Hein. T'as de l'argent? Non, bah non, je viens d'arriver en ville quoi. T'as combien? Là, sur moi, j'ai $300 quoi. Ah, t'es riche, moi j'avais $136. Et encore, garde ton argent, attends. Tu as même pas des sous pour me sortir mon véhicule garde de la fourrière. Garde ton argent, arrête de discuter. Tu lui as pris son téléphone? T'as pris son téléphone? Ouais. T'as pris sa radio et tout, moi aussi j'ai fait pareil, donc il a plus de téléphone, donc vous êtes prié de plus avoir de téléphone sur vous en fait. Mais je n'ai pas utilisé de téléphone, monsieur. Je ne l'ai plus, tu l'as pris. Eh ben justement. Donc donne-le-moi. Je ne comprends pas, monsieur. Vas, viens. Ah, ça l'a donné. Mais j'ai donné à l'autre personne à côté de moi, là. Ah, c'est moi qui l'ai eu. Bah oui, tu as eu ma téléphone. What's up, man? Ah, ils ne savent même pas braquer les gens, man. Les gars, ils vont consulter pour savoir comment faire. Et qu'est-ce qu'on attend là concrètement? Je pense qu'on a attendu pendant toute cette tempête. On est dans un parking qui se garde au milieu de la route. Bonsoir monsieur, vous êtes de retour. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Ah d'accord, on n'a pas de problème monsieur. Pourquoi toujours à nous menacer avec l'arme alors qu'on est inoffensif? Mais oui, nous sommes inoffensifs, monsieur. Baissez votre arme. Tu vas me dire ce que je dois faire? Tiens, allez, dans le véhicule.
c'est la merde, on est en train de se faire déchirer là. Je reconnais ça. Ça va prendre je sais pas combien de temps encore. Aïe, aïe. Oh là là, messieurs, votre voiture a fait la chicha. Vas-y, respecte même pas, le mec il joue même pas le pain et tout, c'est nimble. Il roule comme du n'importe quoi, genre il se prend tous les murs, mais... T'aimes sa voiture. T'aimes la gueule de sa caisse, et il continue de rouler. Et les suspensions, elles sont en train de partir dans le pare-brise. C'est nimble. Et il met ses clignotants. Voilà. Aïe, aïe, oh là là, mes yeux, ma tête. Oh. Oh là 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 là, ma tête. Tu as cassé mon tête, monsieur. Oh là là. Ça va, monsieur? Non, j'ai mal mon tête. Je me sens pas bien. Et la voiture elle est toute cassée, monsieur, comment vous faites pour rouler? On voit pas les mêmes choses. Non, ce n'est pas normal ça. On voit pas les mêmes choses. Oui, on voit les choses qui vous arrangent, monsieur. La voiture qui fait la chicha, là, on la voit ou on la voit pas? A few moments later. Ah bon, tu fais ça toi? Alors tu fais ça toi? Non. Aïe, aïe, oh. Je savais pas que... Ah, je vois, vous êtes de la jaquette, vous voulez faire un bain de minuit à 4. Bah déjà, oh, il me semble que t'as mis des cagoules à chacun d'entre vous, il me semble, non? J'entends le bruit des vagues, hein, monsieur. Je ne suis pas sourd. Hein. Ok. Ah, vivement que nous allons chez le tabatier. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu fais avec ton arme? Qu'est-ce que tu veux? On a des tatoues, qu'est-ce que tu veux? Tu gardes en jeu. Tu gardes en jeu? Je vais te donner quelque chose. Ah, tu vas pas lui donner, tu vas le foutre dans la bouche. Ouais, d'ailleurs, je te fous de la bouche. Tiens, tu me parles de ça maintenant. Prends-le. Tiens, mange. Et toi là? Dépêche. Et toi, c'est pareil. Attends, toi, c'est pareil, tiens. Je te le fous dans la bouche à Val maintenant. Mais monsieur, je suis attaché. Vas-y, parle pas.